On va voir une série d'exercices, n'est-ce pas, qui est liée au calcul de distance, mais cette fois-ci à l'aide des coordonnées. Donc ici, on vous pose la question de savoir de calculer AB, la distance AB. Donc étant donné que nous connaissons les coordonnées du point A et les coordonnées du point B, donc on peut utiliser notre formule de tout à l'heure. Donc la formule qui dit quoi? La formule, on est calculé AB. Donc on va commencer par AB d'abord. Donc je mets une grande racine, deux parenthèses au carré, plus deux parenthèses au carré. Voilà. Après les deux parenthèses, il y a la place des x. Donc x de A moins x de B. Ensuite, y de A moins y de B moins y de B. Voilà. Donc, après avoir mis la formule, qu'est-ce que je fais? Je vais remplacer maintenant, tout simplement ici. Je vais remplacer x de A. X de A fait combien? 2. Donc, il fait 2 moins x de B. X de B fait 4. Donc, x de B fait 4. Ensuite, je mets la parenthèse au carré plus y de A. Y de A qui me fait 1 moins y de B qui me fait 5 au carré. Voilà. Et maintenant, je remplace, je calcule maintenant, je garde toujours ma racine, ma grande racine au carré plus au carré. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je calcule à l'intérieur. Je fais 2 moins 4, ça me fait combien? Ça me fait moins 2. Ensuite, ici, ça me fait moins 4. Voilà. Donc, ici, ça me fait moins 2, moins 4 ici à l'intérieur. Ensuite, donc, je mets AB. AB est égal racine. Racine. Moins 2 autour au carré. Moins 2 autour au carré, si on calcule, ça nous donne 4. Plus, ici, moins 4 autour au carré, ça me fait 16. Ça me fait 16 tout simplement. Ici. Donc, je tape ça à la machine. Ici, je fais 20. Ça me fait 20 tout simplement. 16 plus 4, ça me fait 20. 20 maintenant, quand je tape à la machine, tout simplement, ça va me donner 2 racines de 5. Donc, 2 ici, 2 racines de 5. 2 racines de 5. Voilà, 2 racines de 5. Donc, AB est égal à combien? AB fait 2 racines de 5. On va passer à AC. Donc, AC, je passe à AC très rapidement, mais ici, je vais garder les racines directement. Donc, on a fini avec le AB. Donc, on va prendre AC, même formule, toujours comme tout à l'heure. Il fait AC est égal grande racine X. Donc, au carré plus quoi? Les deux facteurs au carré. Donc, ici, la parenthèse des x, la parenthèse des y. Donc, x de quoi? Cette fois-ci, c'est AC, on est en train de calculer. Donc, on fait quoi? X de C, ou bien x de A, je vais commencer par A, moins x de C. Ensuite, y de A, moins y de C, tout simplement. Voilà. Maintenant, je vais calculer. Je garde toujours ma grande racine. X de A. X de A fait 2. 2 moins x de A. X de C. Où est C? Voici C qui fait 0. Son x fait 0. Y de A qui me fait 1. Moins y de C qui me fait 3. Voilà. Donc maintenant, je calcule rapidement. Ici, ça me fait 2 moins 0. Ça me fait 2. Donc 2 au carré plus ici. Ça me fait moins 3 au carré. Bon, plutôt 1 moins 3, ça me fait 2. Moins 2, tout simplement. Voilà. Donc voilà ce qu'on a eu. Ici, donc, on continue avec. Ça fait AC est égal à quoi? Racine. Je calcule 2 au carré, ça me fait 4. Plus moins 2 au carré, ça me fait toujours 4. Qui donne quoi? Tout simplement, ici, ça me fait 8. Donc, AC fait combien? AC fait racine de 8. Racine de 8 qui fait 2 racines de 2. Si on tape à la machine, tout simplement. Donc, voilà pour AC.
Voilà, on va passer directement à AB. Passons à AB très rapidement. On va passer à AB. Donc, AB. Je fais AB. Plutôt BC. Donc, BC. Je mets BC, grande racine toujours. Donc, X. La colonne des X. Et quoi? La parenthèse des Y. Donc, X de B moins X de C. Y de B moins Y de C. Voilà. B, C, B, C. Vous voyez, B, C, B, C. Ensuite, je fais B, C est égal grande racine. Je remplace X. X de B, ça me fait 4. X de B fait 4. Moins X de C, ça me fait 0 au carré. Plus Y de B. Y de B fait 5. Moins Y de C qui me fait 3. Voilà, au carré. Et ici, ça me fait BC. Ça me fait BC racine. De quoi? Ici, ça fait 4 carré. Plus, ici, il fait 2 moins 3. Ça me fait 2 carré. Tout simplement. Donc, plutôt, on peut mettre la parenthèse aussi, hein, comme ça. Voilà. Pour éviter les discours. Donc, ici, ça fait BC, ici. BC. Ici, ça fait 16, 4 au carré. Mais garde toujours ma racine. 16. 4 au carré fait 16 plus quoi? Plus 2 carrés qui me fait 4. Donc tout simplement, ça me fait 20. 20 qui donne quoi? 2 racines de 5. Donc ça fait BC est égal à quoi? BC est égal à 2 racines de 5. Voilà pour cette vidéo et à la prochaine.